Agenda. Bonjour, bonjour la famille, c'est Mister Maïcha pour un nouvel épisode de Agenda. Alors aujourd'hui, j'ai du beau monde sur le plateau. Le plateau est plein. J'ai notre amie Célina, des éditions Mabiki de Wavre. Ça va Célina? Ça va et toi? Bien, bien, bien. J'ai notre ami Andrea. Bonjour Andrea. Hello. Ça va? Ça va? Ça va? Bien. Et puis pour la chronique du jour aujourd'hui, Mia, comment vas-tu Mia? Ça va très bien, merci Maïcha. Ah, et puis on a surtout le capitaine, l'initiateur, le fondateur de la Radio Beauté. Bonjour mon capitaine, comment vas-tu Georgette? Beauté Maïcha, ça va mieux. Madame, ok. Et donc on va tout de suite commencer avec notre ami Andrea qui va nous parler d'un forum d'investissement sur l'immobilier en Afrique. Si j'ai bien compris, tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît. Alors, moi, je suis Calopi Andrea et je suis Product Manager de NAT Agency, qui est partenaire événementiel avec MDY Pro Event, qui font aussi un partenariat avec EdTech Necropole, TMK Invest et aussi tout ce qui est Perlet. Je ne sais pas si vous connaissez. Nous allons faire un partenariat pour réaliser un forum sur l'immobilier et les finances qui se déroulera à Bruxelles le 29 mars de 16h à 22h au NAR Bruxelles Hôtel. Ok, et de quoi ça va parler exactement? Parce que c'est bien, on parle d'investissement en immobilier, mais moi je vois pas trop ce que c'est exactement. Alors tu peux nous en dire quelques mots? Alors ça va être un forum qui va être axé sur l'immobilier et les finances en RDC, République démocratique du Congo, et la Belgique. Pour la première édition, on a décidé de faire l'édition à Bruxelles. Et pour cela, on s'est associé en fait à plusieurs partenaires clés, notamment l'ambassadeur Christian Dongala, qui est ambassadeur de la RDC à Bruxelles. Il va y avoir également des acteurs politiques comme Bertrand Mampaka, qui est dans la commission logement. Il y a également le notaire qui s'appelle Jonathan Caboret, Alain Gallo Success Story Investisseur en Afrique. Et nous allons également travailler avec Corinne de Mulder, qui est ERA Immobilier, et Sorgela Elodie, qui est de Real Instinct in Badger. C'est des gros partenaires qui vont pouvoir discuter en fait de toutes les opportunités immobilières en Belgique et en RDC. Ok, et ça va se passer où, quand et à quelle heure? Alors, NAR Bruxelles Hôtel, c'est à Rue Royale, c'est à 16h jusqu'à 22h et c'est le 29 mars, donc vendredi prochain. Ok, merci beaucoup Andrea. Avec plaisir, je vous y attends nombreux. Ok, puis c'est ta maison maintenant, donc tu sais, quand tu as des choses, il faut venir en parler ici. N'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux également, on a Facin Invest où il y aura toutes les informations sur les sites et aussi vous pouvez vous inscrire en ligne, déjà prendre votre place. Ok, merci Andrea. Et puis nous avons notre ami Célina, des éditions Mabiki pour la BO. Alors, ça se passe quand, où, comment et alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça se passe très bientôt, ça va être le 30 et 31 mars 2024 au Centre culturel congolais, de 10h à 19h. Et il y aura tous les deux jours de 10h à 19h des conférences, des cafés littéraires, des artistes, de la poésie et du slam. Et il y aura aussi des stands d'auteurs et éditeurs afro-descendants. Ok, il y aura quelques stars qui passeront là, quelques grands noms qui vont passer là. Donc il y aura Peachy Banda, il y aura Nofi, il y aura aussi un chevalier de l'ordre qui va venir de France, il est congolais. Il y aura aussi, je spoil pas, mais il y aura plein d'autres choses. Il y aura aussi Mamo Elodie Galaka, qui est aussi une habituée. Il y aura plein de gens qui vont animer ce week-end le Salon de la littérature africaine. Et on a appelé Salon de la littérature africaine écrite et orale pour vraiment montrer toutes les déclinaisons de littérature disponibles, aussi bien par l'écriture, donc le livre, les pièces de théâtre, et aussi l'oralité, la transmission orale, le slam, la poésie, les contes, etc. Ok, et ça va se passer où? Ça va se passer au nouveau Centre culturel congolais, 77 boulevard Poincaré. Ok, merci de ton passage et puis quand tu as des événements, n'hésite pas, c'est ta maison aussi. Merci. Et puis maintenant,
notre ami Jean-Jacques Ben qui va nous annoncer un événement important pour Radio Nouveauté. C'est un nouvel événement, Planète Live, Planète Nouveauté Live, pardon. Tu peux nous en dire quelques mots, Jean-Jacques? Alors déjà, pour les auditeurs, les fidèles auditeurs de Radio Nouveauté, il y a l'émission Planète Nouveauté. Planète Nouveauté, c'est une émission qui met en avant des artistes et musiciens. Et très simplement, nous écoutons un morceau de l'artiste et l'artiste fait, raconte la petite histoire qui se cache derrière ce morceau. Ça, c'est pour ce qui est de Planète Nouveauté. Mais à côté de cela, tous les premiers samedis du mois, nous avons décidé de faire Planète Nouveauté live. C'est le même principe de l'émission, mais cette fois-ci, ça sera avec public. Et donc, pour la première édition, nous avons décidé, en partenariat avec Tralala ASBL, de mettre en place ce programme au Centre Communautaire Maritime à Molenbeek. Ok, et ça va se passer le 6 avril, à partir de quelle heure? Alors, le 6 avril, à partir de 18h, nous demandons évidemment au public d'être là pour 18h, parce qu'il y a une mise en place à faire. C'est une émission, c'est pas juste un concert, c'est une émission, et la participation du public, évidemment, est un élément de la réussite de l'émission. Donc, à 18h, le public est déjà là, le 6 avril, et ça se passe, donc, comme j'ai dit, au Centre Communautaire Maritime, rue Vandenbogaard, numéro 93 à Molenbeek. Ok, ben, c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose d'intéressant, et puis merci de nous avoir annoncé ça. Et donc tout de suite maintenant, chers amis, on passe au bon plan. Premier bon plan, on vient d'en parler, tous les premiers samedis du mois, le Planète Beauté Live au CCM, donc le Centre Communautaire Maritime, avec, pour inviter Chaquito à partir de 18h, rue Vandenbogaard 93 à Molenbeek. Second bon plan, le Centre Culturel Congolais au boulevard Poincaré au numéro 77, du mercredi au samedi. Et puis le troisième de ces bons plans, c'est le pavillon Rotteur pour tous vos événements socioculturels et concerts à la République Rotteur, 104 Anderlecht. Et puis tout de suite maintenant, agenda. Alors petit rappel, Festival des Arts Vaudou, expo du 15 février au 15 avril au Centre Culturel Congolais au boulevard Poincaré 77 à Bruxelles. Pour plus d'infos, www.centreculturelcongolais.be. Le 30 mars, hommage aux droits de la femme, concert au pavillon Rotteur dès 20h, rue Victor Rotteur, 104 à Anderlecht. 31 et 31 mars, Slabéo, salon de la littérature africaine orale et écrite au Centre Culturel Congolais dès 10h, au boulevard Poincaré 77 à Bruxelles. Pour plus d'infos, www.centreculturelcongolais.be. Puis le 3 avril, nous avons Foubou Mango, un concert à l'ancienne Belgique, dès 19h au boulevard Inspac 110 à Bruxelles. Plus d'infos, info@abconcertpluriel.be. Puis nous avons le 5 avril, Fidia Samba, un concert au Strof dès 21h, rue Prolbeek numéro 1 à Bruxelles. Le 6 avril, nous avons la santé des femmes afro-descendantes, colloque à Rouloulis dès 9h30, rue Paul-Henri, SPAC, numéro 1, Rouloulis. Pour plus d'infos, afropathologie@gmail.com. Alors, nous avons le 9 avril, au Thundercat, en concert à l'ancienne Belgique, dès 19h, au boulevard SPAC 110 à Bruxelles. Pour plus d'infos, info@abconcert.be. Et puis nous avons le 11 avril, musique des AKA de Centrafrique. C'est une conférence au Théâtre Molière dès 19h, au Square du Bastion, numéro 3 à Ixelles. Alors le 12 avril, Patou Traoré, spectacle de danse à la Raffinerie dès 10h30, rue de Manchester, 21 à Molenbeek. Pour plus d'infos, contact à charleroi-danse.be. Puis nous avons le 13 avril, Tyrone Creedence, à la Madeleine dès 20h, rue Duquenois,
14 à Bruxelles. Pour plus d'infos, info@la-madeleine.be. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet agenda. Merci à tout le monde d'être venu. Ça me fait plaisir d'avoir du monde comme ça sur le plateau. Et puis, pour nous suivre, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et TikTok. Mais aussi, abonnez-vous massivement en levant un doigt à notre chaîne YouTube Radio Moté. Et alors, pour nous suivre à l'infini, www.moté.be. Allez, ciao, ciao la famille. Ciao.